peu mieux. Déjà, on sait qu'il faut passer par là. D'accord. Bon, déjà, il a pas donné l'alarme, c'est pas mal. Ça va, c'est bon l'alarme, c'est moi qui la donne à tirer comme un con. Hein. Crève, crève aussi toi. Bon bah... Ça a l'air d'être nettoyé, donc on va faire gaffe, apparemment à tout à l'heure. C'est quoi ça? Ah d'accord, on peut récupérer... Ah c'est chaud. On va jeter un œil en bas. S'il y a des trucs à récupérer. Munitions, on n'est pas. Là c'est où on est arrivé tout à l'heure. Ok. Ah d'accord. C'est quoi ça? Carte du bunker. Ah d'accord, il y a des cartes pour tous les secteurs. Ah oui d'accord, il est grand le bunker. Ah non, non, ça c'est l'extérieur et ça c'est le bunker. D'accord. Alors, hop. Ouais, on n'avance pas avec cette arme-là. On peut pas courir avec. Donc ça, ça doit être la porte, je pense, où on aurait pu rentrer tout à l'heure. Okay. Ouais, c'est ça, il y a un carnage là. C'est moi qui ai passé par là tout à l'heure. Ouais. Alors... Ouais, c'est pas mal. Pour l'instant, je trouve ça sympa. Bon, c'est facile, mais c'est normal, on est en mode normal, hein. Je m'attendais pas non plus. C'est volontaire, hein. Déjà pour les besoins de la vidéo, et pourtant, vous avez vu, je suis mort bêtement. Ah. C'est quoi ça? Ok. Ça s'ouvre pas ces trucs-là. Ah d'accord, quand je dépasse les 100, en fait, c'est temporaire. Ça redescend petit à petit. Donc il vaut, si t'es à 100, il vaut mieux pas ramasser les trucs, quoi. T'attends d'être blessé et tu récupères après. Bon, bah on a tout visité, là, je crois. Là, on en vient. Là-haut. Non, c'est assez détaillé, je pense, pas au niveau graphisme. Ah, j'ai cru que t'allais jamais mourir. On a réussi à passer. On se rapproche de la paroi de la falaise. Juste en dessous de la base du boucher. J'espère qu'on a une corde assez. On va la laisser, on saura qu'il y en a là, au cas où. Donc le bruitage des armes, je trouve pas génial. En même temps, quand je joue à des FPS, en général, c'est plutôt BF. Et c'est vrai que de ce côté-là, BF, il est quand même assez bien foutu au niveau son. Le 4, un peu moins que le 3. Mais pas mal du tout quand même, c'est crédible. Il n'y a rien à récupérer ici. Ouais, ils ont tous la même pin-up. Droite à gauche.
écoutez, je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. Oh, il y a du monde là-haut. Merde, ils m'ont vu. J'aurais peut-être dû le faire en mode plus difficile tout de suite. Quoique c'est le début. Hein. En général, le début c'est assez facile. Ça se complique par la suite. Bon, lui c'est clairement un abruti. Hein. Il y en a toujours dans les jeux, c'est normal. Hein. Pas d'inquiétude à avoir. Et puis les mecs aussi, les testeurs en général, ont une énorme attente au niveau de l'intelligence artificielle. Ce qui est en soi au jour d'aujourd'hui un peu bête dans le sens où on est tellement habitué à jouer maintenant en multijoueur que on s'attend à ce que l'intelligence artificielle soit aussi bonne que les mecs contre qui on joue en multi. Le mec il a l'habitude de jouer en multi, il prend un solo en main, les mecs sont cons comme des camions et n'arrive pas à comprendre pourquoi. Bah, tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune intelligence artificielle qui est capable de rivaliser avec un être humain. Quoi. Et comme tu es habitué à jouer contre des humains, bah, tu es déçu, quoi. C'est normal. Puis j'ai envie de dire, heureusement que l'IA n'est pas aussi performante que les êtres humains. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on n'est pas loin de Skynet. Hein, et Skynet, on sait comment ça a fini. Hein. Humour. Non mais ouais c'est malsain, quand si une machine était aussi performante qu'un être humain, elle serait assez à mon avis rapidement consciente que l'être humain déjà ne sert à rien et qu'il est foncièrement mauvais. Alors là j'active les trucs, je sais pas si c'est bien de le faire, d'accord, ok. Donc il doit y avoir un ordre. Donc je refais le même volontairement. On va essayer de voir. Donc on va se faire milieu. C'est pas ça. Ça va me plaire ça. Ça, on va passer 1h30 dessus. Donc on va faire lui, lui, lui. Même pas un coup de bol, d'accord. C'est quoi là? C'est quoi le problème? Vas-y, explique. Dans un rare entretien accordé exclusivement à notre journal, notre cher Führer a discuté de l'effort de guerre et des valeurs qui font la supériorité de la race allemande. Oh, putain, c'est pas possible. Quand je pense qu'ils pensaient vraiment comme ça, ces espèces de tarés. Il nous a également fait part de sa vision du monde après le conflit. Ne vous méprenez pas, je veux la paix dans le monde. Bah voyons. Et je suis prêt à me battre jusqu'au bout pour y parvenir. Ouais, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Et toi, à mon avis, tu dois siéger à la droite du diable. Donc, ça ne me résout pas le problème. Là, il n'y a pas un indice dans un coin. Alors, on avait essayé. On va essayer ça. Ça. Et ça. Alors, c'est quoi le problème? Si j'en mets qu'un, il reste en bas, c'est ça? Non, il remonte doucement. Donc lui, il remonte doucement. Il remonte peut-être un peu plus vite. J'ai envie de dire... Hop, hop, j'ai déjà fait ça. Maintenant, l'autre, il commence à remonter déjà. Ouais, je comprends pas. Ça se trouve, vous vous marrez parce que vous avez déjà trouvé la solution. Attends, on va avancer. Il y a peut-être un indice quelque part, non? Bon, ça, c'est ce qu'on vient de lire. La ferreur à la con. Hein. Ah, je suis allemand et je suis la race supérieure. Ah, 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 ah. La race supérieure, ce qu'elle prend dans sa gueule. Tiens, mange. La race supérieure. Supérieurement en air con, toi.
Là c'est moi qui avais l'harpon, pour le coup. Il y en a un autre, je crois. Bon, on va tous niquer. Trop de grenades, non, vous avez trop de grenades, faut pas en prendre plus, c'est mal. Mais non, on n'a jamais assez de grenades, ma couille. Alors, par ici, peut-être, non, pour un truc qui pourrait m'aiguiller, là, pour l'autre, c'est quoi, là? Lettre d'Oscar. Alors, merde. Ah, c'est joli. Enfin, c'est joli, non, je peux pas dire c'est joli avec cette espèce d'insigne à la con, là, c'est forcément pas joli. Alors, avion allié, saut sur un... Ah, c'est joli, ça. Je lirai ça tout seul, à part. Donc ça, c'est les personnages. Ok. On va pas les lire, hein, sinon on va perdre du temps. Ce sera un let's play, je vous le lirai, mais... Code secret, fragment de code 1-1, récupérer des fragments pour compléter les codes secrets de la section bonus du menu principal. Chaque code décrypté permet de débloquer des modes bonus. Ah, c'est bon ça. Et là, c'est une lettre. Ok, bah, j'en ai un petit bout, quoi, apparemment. Bon, on s'en fout. Je trouve qu'il y a peut-être un indice là pour le truc, là, dans la lettre, là. C'est... Hop. Je voudrais voir là, cette histoire de truc là. Vous me faites chier. Ça se trouve, ça sert à rien, il n'y a rien à faire ici. On va se tirer. Hein, parce que... Si vous avez la solution, n'hésitez pas à me mettre en message en commentaire. Je finirai par trouver, mais si vous trouvez avant moi, ce serait quand même vachement sympa. Oh putain! Je croyais que j'étais tranquille tout seul et tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il va pas falloir y aller trop bourrin quand même. Pas mort toi, c'est moi, hein. Ok, alors ah, l'autre abruti, il entend rien. Ah, il y a tellement de bruit dehors, c'est ça, hein. Parce qu'il y a trop de bruit, voilà, tu vois. Du coup, alors qu'est-ce qu'il faut shooter là? T'es fou toi, t'as vu ce que j'ai dans les mains? Faut qu'il me tire dessus. Oh les cons, ils doivent être déchiquetés les mecs. Quand t'as vu le sang comment ça gît, c'est énorme. Ouais, mais il faut pas grand chose pour que je m'amuse. Donc c'est dommage que ce soit flou, parce que ça aurait été assez joli. C'est joli déjà, hein, mais c'est assez flou. Voilà, on va prendre la grosse sulfateuse. Parce qu'on doit encore avoir des gars qui nous attendent là, je pense. Alors. Ça a l'air clean. Alors là, il y a une porte, je sais pas ce que c'est. Je vais l'ouvrir et puis ce que je vais faire, après je vais faire une pause. Et enfin, je vais faire une pause, je vais arrêter la vidéo. Là, ça fait à peu près une heure déjà qu'on est en ligne.
puis je vais vous mettre les trois premières vidéos là. Comme ça vous aurez déjà ça le plus rapidement possible, parce que comme il faut déjà 5-6 heures pour uploader 20 minutes, voilà. Oh putain! J'avais pas fait gaffe que c'était une grenade qui lui balançait. Cherche le chien. Le petit con comme un camion, il attrape la grenade. Bien, elle s'est mort de rire. Ouais, bah attends, on disait qu'on allait s'arrêter là. Ça t'embête pas, tu restes la main tendue comme ça là. Tiens, attends, avant de quitter, on va vite fait. Il n'y a pas quelque chose à récupérer là-dessus. Ça sera fait. Non, il n'y a rien. Et d'où tu viens là? Il y avait des trucs peut-être. Tiens, je récupère ma grosse mitraillette. Bah tiens, oui, il y a des trucs à récupérer, regarde donc. Fragment de code 1-3. Ah, j'ai le 1-3, j'ai le 1-1, il me manque le 1-2, donc. Donc j'ai loupé quelque chose, quelque part. Non, de toute façon, on n'est pas là pour ça, on a que 3 heures, enfin j'ai que 3 heures à vous montrer. Parce que je pense que pour un truc de découverte, une vidéo découverte de 20 minutes, moi je vois beaucoup de trucs sur internet où il y en a une ou deux. Et pour vraiment se faire une bonne idée d'un jeu, il faut au minimum 3 heures. Quoi. Parce qu'en général, les deux premières heures sont assez découvertes. Tu découvres un peu le gameplay, machin et tout. Et après, on commence vraiment à être dans le jeu comme il sera les heures restantes. Donc, au-delà de 3 heures, ça me paraissait beaucoup. 2 heures, ça me paraissait pas assez. Et 3 heures ça me paraît bien. Bon, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé ces premières vidéos là que je vais aller couper, que je vais mettre en ligne. Si vous avez aimé, likez, partagez, diffusez-moi ça partout sur internet. Vous dites que je suis formidable et tout. Voilà, on s'arrangera, je vous ferai un petit chèque. Non, je déconne, attention, hein, prenez pas ça au sérieux. Hein, j'ai pas d'argent, sinon avec plaisir. Voilà, bon allez, à plus. J'espère que ce Wolfenstein The New Order vous plaît pour le moment et que vous allez continuer à suivre ce 180 minutes chrono. À plus.